journal. Henri Ochocho. Il est exactement 12h30 sur les antennes de Radio Lumi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, la série de rencontres entre les civils et les forces de défense et de sécurité initiées par le ministère en charge de la sécurité se poursuit. Après l'intérieur du pays, c'est au tour des représentants des populations du Grand Lomé d'échanger avec les corps habillés dans le but de rétablir un climat de confiance entre ces deux entités. C'est désormais officiel, la mission de la paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour, Myanmar, quitte les lieux ce 31 décembre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est finalement tombé d'accord sur ce retrait après des semaines de dissensions. C'est désormais aux autorités de transition qu'il revient d'assurer le maintien de la paix dans cette région. Et puis sport, football, les préparatifs pour le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 vont bon train côté togolais pour booster le moral des éperviers locaux. Madame la ministre des Sports, Dr Lydie Bessie-Kama, leur a rendu visite hier lundi. Elle salue l'esprit de cohésion qui règne au sein du groupe. Radio-Lumi.tg. Voilà, c'était le titre. Le développement à présent, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, était hier lundi au Burkina Faso où il a participé à la cérémonie d'investiture de son homologue burkinabé Roch Marc Christian Kabore. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Sports de Ouagadougou en présence de plusieurs dirigeants africains. Dans son discours, le dirigeant du pays des hommes intègres a appelé ses concitoyens à l'union, à la solidarité et à la cohésion sociale. Le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition malienne, séjourne depuis hier soir au Togo. Ce mardi, l'hôte togolais a un entretien avec le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé. L'avenir du Mali, confronté à de nombreux problèmes, serait au centre des discussions. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Suite et fin de la série des rencontres entre les corps habillés et les civils, initiée par le ministère en charge de la sécurité, l'initiative est à l'étape du Grand Lomé où les deux entités échangent depuis ce mardi et ce jusqu'à mercredi en vue de rétablir un climat de confiance entre eux. Marie-Claire Pagnot, reportage. Placé sous le thème dialogue civilo-militaire, outil efficace de prévention et de résolution des conflits au Togo, ces échanges permettront de trouver des remèdes efficaces et durables pour juguler les déchirures sociales. Yacques Damham, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est la méconnaissance de l'un ou de l'autre qui crée des incompréhensions. Donc pendant ces deux jours, ceux-là que je viens de citer vont échanger en toute franchise, sans tabou. Pourquoi le policier ne supporte pas d'être le militant d'un parti? Pourquoi le militant ne veut pas voir le policier? Donc, ils vont essayer de mettre à plat toutes ces incompréhensions pour permettre au gouvernement d'élaborer des conclusions qui vont nous permettre de reprendre la vie harmonieuse dans notre pays. Selon le ministre Yacques Damham, la crise de confiance et le manque de collaboration entre les civils et les corps habillés constituent non seulement un obstacle à la paix et à la sécurité, mais aussi un frein au développement, d'où la nécessité de remédier à cette situation. La présente rencontre, la septième du genre, après celle de Sokodé, Mango, Atakwame, Palimé, Adetikopé, Kara, vient à point nommé au moment où le gouvernement togolais s'est fixé de nouveaux objectifs. En effet, conformément à la vision du chef de l'État, l'axe 1 de la déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre prévoit le renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale en vue de la consolidation de la paix dans notre pays. Dans le contexte sécuritaire préoccupant actuellement en cours dans la sous-région ouest africaine, il est important que chacun et chacune d'entre nous travaille de manière à enraciner cette paix qui permettra d'atteindre les objectifs du développement durable. L'étape du Grand Lomé marque la fin de ces échanges civilo-militaires.
Merci à toi, Marie-Claire Pagnou. Magazine à présent, l'une des mesures dictées par le gouvernement en ces périodes de fête pour limiter la propagation du coronavirus est l'interdiction systématique de consommer sur place dans les bars et restaurants. Aussi, les nightclubs et discothèques restent toujours fermés. Ces dispositions sont diversement appréciées par les tenanciers de ces structures. Suivons leur appréciation dans ce magazine de Kilimo Boyordi, une présentation d'Angèle Huntodji. Pas de marché, pas de clients, l'ambiance est morose, se plaignent presque tous les tenanciers. Voilà l'atmosphère qui règne au quotidien dans les bars et restaurants depuis que le gouvernement a interdit la consommation sur place. Toutefois, les gérants font des efforts pour disposer les clients de manière à respecter les mesures barrières. Ceci se traduit par la mise en place de certains équipements de prévention. Lemar Dandan, gérante de bar à Lomé. Les serveuses, les cuisinières, ils ont pris les mesures, ils ont pris les cache-nez. C'est tout notre responsable. On se lave chaque temps les mains. Avant, on avait des chaises de l'autre côté. On a un peu diminué la quantité de clients. Les tenanciers sont acculés par les quelques rares clients qui veulent être rapidement servis avant le couvre-feu. Nestor Noné, responsable de restaurant à Nikonakwe. La consommation sur place donne plus de clients, mais les manger emportés, ça donne beaucoup. Mais sur place, ça ne donne pas beaucoup pour la consommation. Pour une satisfaction et une prévention de tous les acteurs, les tenanciers exhortent au respect des gestes barrières. La distance est nécessaire et il faut que tout le monde respecte pour éviter le coronavirus. Ils ont des cache-nez. Ça veut dire que l'homme a compris la situation. On va seulement leur dire courage qu'ils n'auront pas continué comme ça. Au-delà de l'émotion et de la joie temporelle que nous offrent les fêtes, nous devons protéger notre vie et celle des autres contre le coronavirus. Angèle Huntodji, et puis ce rappel de communiquer pour clore cette page nationale avec vous, Grâce Goto. Afin de limiter les risques de propagation de la pandémie au nouveau coronavirus, la COVID-19 en cette fin d'année, le gouvernement, après avis du conseil scientifique et suite aux concertations avec les différents acteurs, leaders religieux, élus locaux, préfets, patronats, syndicats des tenanciers de bars et restaurants, décide des mesures suivantes. 1. Instauration d'un couvre-feci selon les modalités ci-après. Zone du Grand Lomé du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021 de 22h. À 5 heures, les 24, 25 et 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 de 23 heures à 5 heures. Pour le reste du territoire national, les 24, 25 et 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 de 23 heures à 5 heures. 2. Interdiction de la consommation sur place dans tous les bars sur toute l'étendue du territoire national, y compris les bars traditionnels du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021. À titre de rappel, les nightclubs, les dancings restent strictement fermés. 3. Interdiction de rassemblement de plus de 15 personnes sur toute l'étendue du territoire national. 4. Interdiction des événements culturels et commerciaux, spectacles, campagnes publicitaires et des célébrations, mariages, baptêmes du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021 sur toute l'étendue du territoire national. La quinzaine commerciale est cependant autorisée sous un format réduit dans le strict respect des mesures barrières et des horaires de couvre-feu. 5. Interdiction de la célébration de culte sauf un jour par semaine, vendredi pour les musulmans et dimanche pour les chrétiens, sur toute l'étendue du territoire du 20 décembre au 3 janvier. Les célébrations sont autorisées les 24, 25 et 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 dans le strict respect des mesures barrières et des horaires du couvre-feu. Pour la zone du Grand Lomé, les célébrations ne concernent que les lieux de culte précédemment autorisés à ouvrir. 6. Interdiction des pèlerinages et des camps de prière. 7. Respect strict des mesures barrières que sont le lavage des mains, le port de masque et la distanciation en tout lieu et en toutes circonstances. Le gouvernement remercie toute la population pour son adhésion aux dispositions prises depuis le début de la pandémie et compte sur le sens de la responsabilité de tous pour le respect des mesures ci-dessus édictées. Le journal Henri Ochocho.
Actualité internationale, cap sur le Niger, et bien les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives de dimanche ont commencé à être diffusés lundi par la Commission électorale nationale indépendante. Ils ne concernent pour l'instant qu'un petit nombre de près de 26 000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire. Nous le disions en titre fin ce 31 décembre 2020 de la mission de la paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour Munyad. Le contingent togolais composé de 161 personnes quitte ainsi le pays avec un sentiment de mission bien rempli. Édouard Sono. Effectivement, le contingent togolais composé de 161 policiers, dont 21 femmes, quitte le Darfour au plus tard le 31 décembre 2020. Cette force spéciale dénommée FPU exerce sous mandat des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour. Le Conseil de sécurité des Nations Unies met fin à cette mission, mais conserve un bureau civil à Khartoum et au Darfour, et c'est par la résolution 2559. La MINUAD entendait la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine compte encore près de 8000 militaires, policiers et civils dans l'ouest du Soudan. Le Conseil de sécurité confie actuellement la responsabilité ultérieure de maintien de la paix aux autorités de transition soudanaises. La fin de la mission de paix au 31 décembre était exigée par Khartoum avec le soutien de la Russie, de la Chine et des membres africains du Conseil de sécurité. Si tout marche bien, nos compatriotes célébreront la fête de bonne année avec leur famille. Merci à toi, Édouard Chono. Vous retrouverez, vous suivrez à la fin de ce journal la rétrospective des événements qui se sont déroulés au Togo, en Afrique et dans le monde. Retro 2020 de ce jour s'intéresse aux grandes rencontres au Togo en 2020 et les années et les avancées et défis dans la lutte contre le coronavirus. Ce serait avec Hélène Assabi. Et vous l'avez compris, c'est la page de sport. Les éperviers locaux poursuivent les préparatifs pour le CHAN 2021 au Cameroun. Pour mettre les joueurs en confiance, la ministre des Sports leur a rendu visite hier lundi. Docteur Lydie Bessie-Kama a salué la sérénité qui règne au sein du groupe. Hors de nos frontières, on l'a appris, le torchon brûle entre la Fédération ivoirienne de football et la FIFA concernant le bureau de normalisation. Edo Assignon. Pour la deuxième fois en l'espace d'une semaine, la Fédération ivoirienne de football vient de saisir le tribunal arbitral des sports pour contester une décision de la FIFA. Après avoir protesté contre les blocages générés par la suspension du processus électoral, l'instance fessière du football ivoirien s'insurge cette fois contre la décision de la FIFA de nommer un comité de normalisation à sa tête. Un choix dicté par des motifs au caractère fallacieux selon la Fédération ivoirienne de football. Dans un communiqué, la FIFA précise qu'elle se réserve le droit, en concertation avec la Confédération africaine de football, de désigner les personnalités devant être membres du comité. Ce comité de normalisation jouera le rôle de commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Les éperviers locaux poursuivent les préparatifs pour le championnat d'Afrique des Nations prévu du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Et ce lundi, ils ont reçu la visite de la ministre des Sports, Dr. Lydie Bessie-Kama. La patronne des sports au Togo est allée s'enquérir de l'ambiance qui règne au sein du groupe à quelques semaines de la compétition. Dr. Lydie Bessie-Kama a salué le travail qui se fait par le staff et surtout le sérieux et la discipline remarquable dont font preuve les joueurs. Les séances d'entraînement démarrées depuis le 16 décembre se poursuivent jusqu'au 30 décembre où une pause sera observée avant la dernière ligne droite qui commencera le 2 janvier 2021. Jusqu'au départ de l'équipe pour le Cameroun. Des matchs amicaux sont prévus pour appuyer ce stage. Et puis pour finir, absent lors des deux premières journées du championnat du Bahreïn en raison d'une blessure, James Olufade a retrouvé les pelouses. L'international togolais a participé à la rencontre de la troisième journée, match que son club Manama a remporté 2-1 face au Mouarak.
Une victoire qui a permis à James Olufade et son club d'être à la 5e place. Pour rappel, James Olufade a paraffé un contrat de 3 ans avec le club de Manama au Bahreïn. Edo Assigno, merci pour cette page sportive qui met fin à ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter, la série de rencontres entre les civils et les forces de défense et de sécurité initiées par le ministère en charge de la sécurité se poursuit. Après l'intérieur du pays, c'est au tour des représentants des populations du Grand Lomé d'échanger avec les corps habillés dans le but de rétablir un climat de confiance entre ces deux entités. C'est désormais officiel, la mission de la paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour Muniade quitte les lieux ce 31 décembre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est finalement tombé d'accord sur ce retrait après des semaines de dissension. C'est désormais aux autorités de transition qu'il revient d'assurer le maintien de la paix dans cette région. Et puis, si vous l'avez suivi, sport football, les préparatifs pour le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 vont bon train côté togolais. Pour booster le moral des éperviers locaux, Madame la ministre des Sports, Dr Lydie Bessikama, leur a rendu visite hier lundi. Elle salue l'esprit de cohésion qui règne au sein du groupe. Bon après-midi à tous et à toutes. Retro 2020. Retour sur les principaux événements de l'année 2020. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième partie de la rétrospective 2020. Aujourd'hui, nous allons parler des grandes rencontres au Togo, les actions menées dans le domaine agricole et les avancées et défis dans la lutte contre le coronavirus. Le journal parlé de Radio Lomé vous propose la rétrospective des événements marquants de l'année 2020. Vous y retrouverez toutes les informations qui ont fait l'actualité dans divers domaines, au Togo, en Afrique et dans le reste du monde. Rétrospective 2020 sur la mer des radios, c'est avec Hélène Assabi et toute l'équipe de la rédaction de Radio Lomé. Les grandes rencontres ayant marqué cette année 2020 au Togo sont notamment la 4e édition des consultations germano-togolaises, le colloque international sur les enjeux socio-communicationnels du vivre ensemble, la 60e session ordinaire du conseil d'administration des 17 pays membres de l'OAPI et la 21e session du dialogue politique Togo-Union européenne sur les questions politico-économiques et sociales d'intérêt commun entre le Togo et l'Union européenne. Emmanuel Amegbulame. Les rencontres internationales d'éloquence et de débat francophone RIDEF 2020 se sont déroulées le 27 juin 2020. À l'issue des deux épreuves débat et plaidoirie et à l'unanimité du jury, c'est le candidat du Togo, Harold Régis Kouanfik, 22 ans, qui a occupé la première place suivie de l'Ivoirien Stan Anthony Aubry et du Français Yanis Djouder. Le 21e anniversaire de la décision de Yamoussoukro relative à la libération du transport aérien en Afrique, célébré le 14 novembre 2020 à Lomé, sous le thème « Mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro de l'opérationnalisation de la Commission africaine de l'aviation civile CAFAC, agence d'exécution et de la décision de Yamoussoukro et des différents leviers du développement durable du transport aérien en Afrique, le chemin parcouru. Il était question d'encourager les pays à adhérer au marché unique du transport aérien africain MUTA. La troisième grande rencontre, c'est la réunion du comité stratégique de suivi du Forum économique Togo-UE, tenu à Lomé le 18 juin 2020, placé sous le haut patronat de son Excellence, M. Faure Essoizmina Nyasingbe, président de la République. Ce premier Forum économique Togo-UE a ainsi construit une base solide pour relancer une nouvelle phase de développement assurée par le secteur privé. Dans le cadre de la 4e édition des consultations germano-togolaises,
Il s'est agi de donner de nouvelles orientations à la coopération germano-togolaise en tenant compte de la feuille de route gouvernementale. L'un des points phares de ces consultations est la décentralisation, occasion pour l'Allemagne d'assurer sa disponibilité aux côtés du gouvernement togolais pour l'atteinte des objectifs de la feuille de route. Autre grande rencontre, il s'agit du forum international initié par le Centre d'études et de recherche sur les organisations, la communication et l'éducation. Cette rencontre a permis aux participants de réfléchir sur les thématiques de diversité et de pluralisme. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, a tenu du 1er au 8 décembre 2020 à Lomé sa 60e session ordinaire du Conseil d'administration. Les travaux de cette 60e session se sont déroulés en deux pôles d'activité, notamment une réunion de la commission des experts du Conseil du 1er au 5 décembre 2020 et une autre le 8 décembre sous la présidence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kodjo Adeje. Dans la dynamique du renforcement et la modernisation de l'organisation, la première phase des travaux a permis d'examiner les questions liées au développement de l'organisation. Au cours de cette 60e session, de nouvelles dispositions ont été présentées ainsi que la préparation des actes d'un nouveau traité qui va entrer en vigueur en début d'année 2021. Et puis, la 21e session du dialogue politique Togo est tenue le 8 décembre 2020 sous la présidence conjointe du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, le professeur Robert Doucet, et de l'ambassadeur de l'Union européenne en poste au Togo, Joaquin Tasso Villalonga. Fondé sur l'article 8 de l'accord de partenariat ACP-UE, cette rencontre a été l'occasion pour les deux délégations d'échanger sur les questions politiques, économiques et sociales d'intérêt commun entre le Togo et son partenaire, l'Union européenne. Plusieurs actions ont été menées dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. On peut citer notamment le programme Yolim, le mois du consommé local et le programme Kennedy Round KR, Odette Pira. Ce programme est un appui du Japon au Togo à travers le riz et le blé pour soutenir les projets de développement. Le Togo est un pays producteur de café cacao. L'ANACAD, désormais boostée grâce au projet PASA, connaît aussi sa campagne d'achat et de commercialisation pour lutter contre la contrefaçon de certaines denrées alimentaires sur le marché. L'OTR a lancé au cours de cette année 2020 SAM, le système automatisé de marquage. Ceci permettra au gouvernement de suivre la production de ces denrées jusqu'à leur mise sur le marché. L'Assemblée nationale a voté au cours de cette année la loi sur l'alimentation scolaire. Son intensification, telle que préconisée par le Plan national de développement PND 2018-2022, contribuera à accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. En l'occurrence, l'ODD 1, une équipe formée des agents de l'ICAT et de l'UTCC a effectué en juin dernier une tournée dans les plateaux sur les sites de plantation de café cacao. Cette sortie visait à évaluer l'impact de l'appui du PASA dans la mise en œuvre des coopératives de pépiniéristes professionnels démarrées en 2019. Autre activité phare de cette année, le lancement de Yolim. Le gouvernement a annoncé le 28 juillet dernier Yolim, un programme de crédit digital à taux zéro par lequel l'État, en partenariat avec les banques, octroie un prêt aux petits exploitants agricoles pour l'achat d'intrants et la location d'équipements agricoles. Pour faire face à la COVID-19, l'État, à travers le MIFA, a reçu l'appui de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Togo. L'année 2020 a été aussi marquée par le mois du consommé local. Première édition, des sensibilisations, notamment à la foire à Diafi, ont été menées pour amener les Togolais à consommer Made in Togo. La Journée mondiale de l'alimentation 2020 a été aussi célébrée. Le système des Nations Unies croit que le Togo peut éliminer la faim d'ici 2030, conformément à ses engagements dans le cadre de l'agenda pour le développement durable. À présent, les avancées et défis au Togo et dans le monde dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus et ses implications au plan politique, économique et social. Alice Berthe Barandao.
Sur un total mondial de 80 millions de personnes infectées par le coronavirus, plus de 2 700 000 en sont décédées. Au Togo, la pandémie a fait 68 morts et plus de 3 555 personnes contaminées. Ce sont là les chiffres macabres causés par le coronavirus à la date du 28 décembre 2020. Le tout premier cas détecté au Togo le 6 mars 2020 était une Togolaise ayant séjourné dans 4 pays européen auparavant. 1er avril 2020, le président Faure Gnassingbé s'adresse à la nation. Après avoir annoncé une série de mesures restrictives accompagnées de mesures sociales, économiques et juridiques, le président Faure a appelé au sens de responsabilité individuelle et collective, tout en rassurant qu'aucun Togolais ne sera laissé pour compte dans cette lutte commune. L'ensemble de ces mesures ont été rapidement mises en œuvre et, dans le sillage, le CHR Kégué, où les patients Covid sont pris en charge gratuitement, a été rénové. Pour mieux gérer cette crise sanitaire, une coordination nationale de gestion de la riposte a été mise sur pied le 30 mars 2020, dirigée par le médecin colonel Djibril Mohamed, qui rend compte hebdomadairement à la population de l'évolution de la pandémie au Togo. Le 23 avril 2020, un comité scientifique fut mis sur pied composé d'une équipe d'enseignants universitaires de haut niveau et des praticiens phytothérapeutes. Les travaux ont abouti à la fabrication du gel alcoolique local, des respiratoires et des masques pour soutenir l'effort de prise en charge des patients. Le gros du boulot a été la découverte de 4 produits phytosanitaires provenant de nos plantes locales. Après des tests in vitro et in vivo sur les animaux, le comité scientifique est depuis en phase d'essai clinique sur les humains afin de tester l'effet immunostimulateur qui revigore le système immunitaire de l'homme. Après 4 mois d'arrêt de vol, l'aéroport international Gnassingbé Yadema rouvre ses vols le 1er août 2020 avec de nouvelles procédures. Le 26 octobre 2020, ce fut la rentrée scolaire au Togo. Après 8 mois de vacances extraordinaires. En octobre-novembre 2020, une saga de 180 candidats vaccins ont été annoncés dans plusieurs pays tout azimut. Parmi ceux-ci, 40 sont en phase clinique sur l'homme. Il s'agit essentiellement du COVAX, du vaccin Pfizer Biotech, du Moderna, de AstraZeneca, etc. Le 25 novembre 2020, le Conseil des ministres a planché sur les derniers détails de la gratuité de la prise en charge de la femme enceinte au Togo, mesure qui va être mise en œuvre les prochaines semaines. Autre défi, c'est la lutte contre la poliomyélite. De nouveaux cas ont été signalés au Togo, principalement dans la région maritime et Lomé commune. Sur le plan mondial, les défis de la découverte du vaccin contre le coronavirus ont été menés au cours de l'année 2020 avec des résultats probants en septembre-novembre. Les pays de l'Union européenne sont donc en campagne de vaccination grand public du vaccin Pfizer Biotech. Culture, pour terminer cette deuxième partie de la rétrospective 2020, frappée en plein fouet en raison de la pandémie à coronavirus, l'industrie culturelle en 2020 a eu un coup dur par la disparition de certaines icônes de la musique. Plusieurs activités culturelles ont été annulées ou reportées. Pas de spectacle avec la fermeture des centres culturels. Cependant, avec l'allègement des mesures restrictives, certaines activités ont repris timidement. Geneviève Bougnou. Au Togo, la reprise des activités culturelles a été marquée par une statue géante, symbole de la culture togolaise qui trône depuis août, désormais au ministère en charge du secteur. Œuvre de l'artiste togolais Gora Atiso, la statue baptisée Renaissance culturelle retrace toute l'histoire de l'évolution sociologique des peuples africains. Les lauréats, suite à l'appel à projet du Fonds d'aide à la culture, ont reçu le 23 octobre leurs enveloppes. Un événement couplé de la remise des grands prix de la littérature togolaise dans toutes les catégories. Par ailleurs, un prix de reconnaissance a été décerné au chef de l'État pour l'intérêt qu'il accorde à la chose culturelle au Togo. Parlant de la littérature, plusieurs ouvrages ont été dédicacés au cours de cette année 2020. Entre autres, Constitution et régime politique au Togo de 1960 à nos jours, du professeur Kofi Aradi Nono.
Pernicieuse révélation de la jeune écrivaine Christiane Baudu, sans donneur de notre confrère Vincent Ekoul-Diaglidi, au-delà de l'espoir de l'écrivaine Afiwa Koudri. Au chapitre musical, la diva togolaise Afia Mala a été élevée officier de l'ordre du Mono, un titre honorifique qui lui a été décerné par le chef de l'État. Quelques albums et singles ont été présentés au public, notamment avec Christ de la jeunesse chrétienne de l'homme Nava, Vamijo du jeune Barti, Dieu est fidèle, le premier album de l'artiste Akos Loki, Neche. Qu'il soit ainsi de l'artiste fils du terroir Kossi Apesson, le vibrant hommage de l'icône du showbiz togolais, musicien, compositeur et producteur Gérard Akesson, avec ses 80 ans d'âge et 65 ans de carrière musicale. Certains festivals ont essayé de renouer avec leur public. La Semaine nationale du cinéma togolais, la 7e édition du film Émergence, la 11e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa, la 6e édition du festival Togoville Jazz. En ce qui concerne l'art plastique, 4 artistes ont exposé leurs œuvres dénommées Regards sur empreinte à la galerie AF. Certains artistes plasticiens se sont joints à l'effort national de lutte contre le COVID-19 par un projet dénommé Djiaye, un appel à la prudence et à la vigilance des populations pour ne pas s'infecter au virus. Au plan international, le prix du meilleur humoriste africain 2020 a été décerné à l'acteur comédien ivoirien Michel Gou. Le monde musical culturel a été frappé par de la disparition des célébrités comme l'artiste togolais du R&B Omar Bi, la mort du célèbre Camerounais Manu Dibango, ainsi que la disparition du roi de la rumba congolaise Orussi Mabélé, et tout dernièrement le décès du griot électrique Mori Kanté. Et puis le spectacle All Music Award, une soirée qui récompense les artistes dans toutes les catégories, a encore tenu toute sa promesse. C'était Retro 2020. Réalisation Edouard Sonneau. Rétrospective 2020. Rétrospective 2020, c'est le retour sur les principaux événements de l'année qui s'achève. Un tour d'horizon sur les activités majeures nationales et internationales. Rendez-vous lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 décembre 2020 après le journal de 12h30. Rediffusion après le journal de 19h. Rétrospective 2020, c'est sur les antennes de Radio Lomé, la station du plaisir.